C'est quoi ça encore? Quoi ça encore? Qui ça envoyez-moi le Salut piano, à Outibris, ici le Père Noël. Je suis désolé du retard, j'ai été livré à Saint-André et on m'a proposé un rhum arrangé massalé. Du coup, j'étais bourré, j'arrive plus à conduire mon traîneau. J'ai déposé ton cadeau sous le sapin et joyeux. Christmas. Like et abonnez-toi. Allons voir ça tout de suite. Salut à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on a reçu un cadeau du Père Noël. Oh là là, on va l'emmener ici et on va procéder à l'unboxing ensemble. Waouh, magnifique. Là, on est comme des gosses. On a envie de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Salut. Petit café, bien évidemment, toujours. Vu que j'adore le café, petit café made in 97.4, salut à vous. Donc, on a reçu le petit cadeau du Père Noël. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. Je vous fais plus attendre, on va mettre ça sur un coin. Et on va ouvrir tout doucement. Oh là là, l'excitation, elle est à son comble. Après, un petit couteau, on va faire ça proprement. Attendez. Je crois qu'on a oublié. Le Père Noël, il a bien bossé, mais comme vous avez vu, il est allé à Saint-André. Il a un petit peu picolé, il m'a livré avec retard. Oh là 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 là. Dans un carton, il y a un carton. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Attendez. Oh là là. Je suis autant aussi excité que vous. Papier. Ok. Papier. Ok. Oh! Dites-moi pas que c'est pas vrai. Dites-moi pas que c'est pas vrai. Nous avons reçu un petit colis de RC Team. Ceux qui veulent des autocollants, je vous envoie ces cadeaux. Petit colis de RC Team. Attendez, on va déballer. Magnifique Toyota Yaris GR châssis M05. Nous avons également le support V2 en option pour pouvoir mettre des batteries carrées. Parce qu'à l'intérieur, les batteries, c'est que des batteries rondes. Et avec le support V2 M05, on peut mettre des batteries carrées. On va voir ça après. Oh là 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 là. Nous avons pignon d'attaque pour Monsieur X. Oh là là, il va être content Monsieur X. Couronne. Deux couronnes 72-92. À utiliser avec le 90. Couronne de 35, comme on avait mangé des dents. Est-ce que c'est les nouveaux modèles ou les anciens? Je ne sais pas. Pignon d'attaque arrière, il est plus petit. Donc, je peux vous dire, ouais, les dents, elles sont un peu plus grosses. C'est pas ça qui nous intéresse. Nous avons aussi un petit corps de différentiel pour Monsieur X avec des petits joints neufs. Ça c'est pas très cher, ça coûte 3 ou 4 euros. Mais ce qui nous intéresse, oh là là, châssis M0. Est-ce qu'il y a encore des trucs dedans? Non, mais je rêve. Oh là là, des dragibus. Je crois que je vais prendre le bus. Les dragibus, mettez un pouce bleu et je vous les offre. Bon, on va enlever un gros. Oh là là, merci Père Noël. Je crois qu'on t'aime bien. Tout le monde t'aime bien.
Oh là là, magnifique M05, châssis high performance. Alors, regardez-moi ça. Bon, si c'est écrit en chinois, je sais pas. M05, magnifique. Inclus, not in kit. Il n'y a pas le moteur apparemment. Enfin, je sais pas. Petit kit à monter. Inclus un électronique speed controller. Allez, M05L, la référence pour ceux qui sont intéressés. On va ouvrir ça. Certifié T2M. Trois différentiels. Vous imaginez un châssis M05 empattement. Je crois que c'est 210, 225, 239 qu'on peut régler, ce qui est plutôt. Elle est encore accrochée? Non, elle n'est pas accrochée. On va ouvrir ensemble. Oh là là. Oh là 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 là. Magnifique, on va mettre la boîte ici. Alors là-dedans, nous avons un petit variateur. Notice d'utilisation du variateur. Attendez, on va regarder ça ensemble. C'est bien écrit 1060 brushhead, brushless. Apparemment, est-ce que c'est un 1060? Est-ce que c'est un 1040? Je sais pas, si quelqu'un pourrait m'aider. C'est écrit 1060. Peut prendre des lipos jusqu'à 3S, comme vous pouvez le voir. Lipo 3S, moteur. Bon, bah, impeccable. Hein. Jusqu'à un moteur 18 tours, supérieur à 18 tours. Hein. Bon, je sais pas ce que ça veut dire, bref. En tout cas, il peut faire. C'est un variateur brochet. Je pense qu'il peut faire brochless aussi. Pas destiné à être immergé dans l'eau. Vous avez compris, le véhicule ne sait pas nager. Bon, bah c'est pas grave. Qu'est-ce que nous avons à l'intérieur? Oh là là, le moteur. Regardez-moi ça. Tout ce qu'on a à monter. Moteur, pignon en plastique, ressort. Je crois qu'on a du pain sur la planche. J'espère qu'il y a une notice. S'il n'y a pas de notice, on est un peu dans la galère. Une petite grappe avec fusée, porte-fusée, étrier. Franchement, le plastique, il a l'air plus ou moins de bonne qualité. Hein. Nous avons... Oh, ce qui nous intéresse. Plus important, la carrosserie. Oh là là, d'une finition magnifique. Je pense, je sais pas quelle couleur on va la faire. Peut-être rouge ou blanche. Ouais, blanche, ça peut être pas mal. Regardez les niveaux de détail. Waouh. Franchement, on va la mettre sur son support juste ici. Franchement, on est plutôt pas. Après, nous avons. Oh là là, les jantes. Je sais pas si vous voyez bien les jantes. Magnifique. Les jantes. Il faut même mettre les mousses. Incroyable. Les jantes, nous avons quoi après? Les pneus. D'accord, nous avons une paire de pneus. Ils ont l'air plutôt de bonne qualité. Ça, c'est quoi ça encore? D'accord, il y a des feux. Par-dessus les feux. Regardez, il y a des genres de feux en 3D. Oh, c'est pas de la folie. Je sais pas, apparemment, il faudra découper. Il nous faudra également un ciseau Alexan. Et après, c'est des grappes. Et la notice se trouve tout au fond. On se retrouvera, bien sûr, pour une prochaine vidéo pour le montage de la magnifique Yaris. J'espère que moi, en tout cas, je suis tout content. Le Père Noël, il a régalé
Il m'a régalé le Père Noël. Avec la petite grappe pour mettre les batteries carrées. On verra si ça passe la batterie. Et salut à où hein. Bien sûr avec ça, il faudra monter kit roulement en aluminium, je crois. C'est ça, non, le kit roulement à billes. Parce que je pense que c'est des roulements en plastique. Donc on va lui mettre des roulements à billes. Le petit café. Sinon, on la fait rouge comme ça, elle est magnifique. Ou blanche, avec les petits feux en 3D. Je pense qu'après, petit projet, on va la mettre en stage 3 direct. Lipo 3S, brushless. On verra ce que ça donne. Faire un petit peu de parking devant la maison. Et salut à vous, merci d'avoir visionné cette vidéo. Les jeunes pignons de X-Max. Et salut à vous.